Oui, je me présente, Fabrice Lamba, président de l'association sportive de Fontaine-d'Oux. J'attaque ma 14e année en tant que président. Je suis sur le quartier depuis 22 ans et depuis l'élection de M. François Rebsamen, les choses ont énormément bougé au sein de mon association. Laurent Grandguillaume prend la succession sur le quartier dans la continuité des choses qui ont changé, évolué. Ça a dynamisé mon club, qui est passé de 100 licenciés à 200 licenciés en 6 ans, grâce bien sûr à la municipalité, à l'aide de Laurent, qui est de plus en plus présent sur le quartier, qui est disponible, à l'écoute des associations, des joueurs, des gens, des dirigeants, et d'une personne qui se déplace à pied dans le quartier, qui rencontre beaucoup de personnes, qui discute beaucoup, qui écoute beaucoup et qui rapporte beaucoup au niveau de la municipalité. Je pense que sur le canton, une personne comme Laurent est importante. Vu la mixité sociale qu'il y a sur le quartier, moi je pense que si tous les gens se mobilisent et mobilisons-nous pour Laurent, qui est une personne de confiance.